Hi guys, so welcome back to my channel and welcome back to a new video. As you can guess from the title, this vlog is going to be all in French. For some reason, French vlogs are the most requested vlogs. So here it is, another vlog in French. I'm really trying to make more videos like this because I know that a lot of you guys are interested in learning French. So even though for me it takes a little bit longer to make vlogs in French because I also have to add the subtitles, I really enjoy making them, so I hope that you will enjoy it. Also, the first clip that you're about to see was filmed last week on Wednesday actually, and I actually went to see the new office of Nightline France, which is a hotline service for students who are struggling in any way. If they're struggling with their mental health or if they just want to talk to someone, they can call Nightline. So it is a hotline service here in France for students, and yeah, they just invited me to their new office. This video is not sponsored by them in any way. I just really support their cause. I just really like what they're doing, so I went to see their new office and I had a chat with one of their workers there, and I just wanted to share it. So yeah, also before we start, just please make sure to subscribe to this channel and like this video if you feel like doing that, and without any further ado, let's start the vlog. En fait c'est pratique parce que ça permet, tu vois, pas forcément dire à des potes oui si tu veux tu peux appeler Nightline, mais en fait il y a le numéro sur toutes les cartes, et donc en fait on privilégie les goodies qui font que tu t'es pas forcément obligé de prendre et de noter, oui. Mais genre l'information passe quand même aussi des affiches dans les toilettes, ça marche bien parce que c'est un endroit où les gens oui. peuvent prendre en photo ou noter. Donc des petits jetons. Bah d'ailleurs si t'en veux un. Ah je peux le ouais, ah merci, ah trop bien. Un de moins. Oh. Chaque antenne a une mascotte. Chaque bénévole ? Non, chaque antenne. Ah, chaque antenne. Ah, ok. Un petit pouce, un peu. Oh, trop bien. Elle s'appelle Durac. Je sais pas. Durac. J'aime beaucoup ton maquillage, je suis trop désolée. C'est trop bien. Tu veux que je me présente ? Oui, oui. Ok. Tu veux que je regarde toi ou la caméra ? Les deux en même temps, si tu peux peut-être. Bah, c'est toi la réalisatrice. Je sais pas comment ça. Bah, moi j'aurais fait un setup, j'aurais des lights. Et bien, je m'appelle Sarah, j'ai 25 ans et je suis étudiante en cinéma. Et j'étais bénévole chez Nightline pendant un an. Et maintenant je suis en alternance chez Nightline et je suis la personne qui fait toutes les vidéos pour Nightline. Voilà. Et en gros, Nightline c'est une association par des étudiants pour des étudiants. À Lyon, Lille, Saclay et Toulouse. Il y aura des bénévoles qui seront là aussi en anglais pour vous écouter. Et du coup, on a nous ce service d'écoute qui nous permet d'être anonyme. Le bénévole et l'appelant, tout le monde est anonyme, et comme ça, ça permet de vider son sac un petit peu plus facilement. On sait que la personne qui sera en face sera sans jugement et qu'elle sera là pour nous écouter, quoi. Nightline est basé sur quatre grands principes qui est anonyme, confidentiel, non directif et sans jugement. Et non directif, c'est-à-dire qu'on ne peut pas donner de conseils. On n'est pas psychologue et on n'a pas l'aptitude à pouvoir donner des conseils, à prendre cette responsabilité. Nous, on est vraiment là pour écouter et aider la personne à vider son sac et à se sentir écoutée tout simplement. Donc tu peux me dire, la ligne est ouverte de quelle heure à quelle heure exactement ? La ligne francophone, elle est ouverte tous les jours de 21h à 12h30 du matin. Et on a aussi une ligne anglophone, mais pour l'instant elle est que ouverte du jeudi au lundi, pareil, toujours de 21h à 2h du matin, 2h30 du matin. Et c'est une question de temps, je pense, pour qu'elle soit ouverte tous les jours aussi. C'est le but à terme. Tu as dit que tu étais bénévole pendant J'étais bénévole pendant un an, c'est ça. Et c'était comment pour toi de gérer tous ces sentiments mais... C'était difficile. Ouais, enfin non, ça va. Voilà, on a des formations avant de pouvoir commencer.
pour qu'on puisse apprendre l'écoute active. Et est-ce que vous pensez qu'avec les initiatives qu'on a en France, peut-être la santé mentale va devenir un sujet plus, comment dire, libre? Bah, c'est ce qu'on espère, c'est vraiment le but de Nightline, c'est déstigmatiser la santé mentale parce que c'est un sujet qui est pour l'instant trop tabou. Oui. Et on veut faire passer le message que la santé mentale c'est aussi important que la santé physique et qu'il n'y a aucune honte et aucune gêne à demander de l'aide et c'est même plutôt sain de s'occuper de sa santé mentale, donc pour nous c'est super important de déstigmatiser. Ouais. Tu parles allemand? Non. Non. Pas du tout. Non mais je me demandais parce que comme t'es hongroise, parfois les Hongrois parlent allemand. Oui, c'est vrai. En Allemagne, ça a été créé pour la première Nightline en 1994, donc c'est quand même bien avant la France. Et en Autriche depuis 2019. Nous on a été fondé en 2017, la première ligne d'écoute. Si tu veux devenir bénévole, c'est tellement possible, il suffit d'aller sur le site de nightline.fr et de proposer un petit onglet. Il y a un onglet qui s'appelle s'engager, devenir bénévole. Est-ce qu'il y a d'autres options pour contacter le service? On sait que parfois être au téléphone c'est un peu intimidant, il y a des personnes qui sont pas très à l'aise avec ça, donc on a mis en place des appels et le chat, comme ça c'est peut-être parfois plus simple à l'écrit que à vive voix. Merci. Voilà, d'autres questions? Et là c'est Dourak, je vous présente Dourak, la mascotte de Nightline Paris qui est une belle chouette. Elle s'appelle Dourak et dans chaque Nightline il y a une mascotte. Par exemple à Lyon c'est un renard, à Lille c'est un hérisson. À Saclay, c'est un petit écureuil et Toulouse, il va y avoir. C'est un loup, non? Ah, mais c'est pas encore. C'est pas encore. C'est une question très importante. Coucou, donc du coup, on est samedi et aujourd'hui, on va aller avec ma coloc au marché aux puces de Saint-Ouen. Ce sera la première fois que moi, personnellement, je vais visiter ce marché aux puces. Je sais qu'il y a pas mal de marchés aux puces ici à Paris. Et en fait, j'ai vu un article sur Google hier en disant que le marché aux puces de Saint-Ouen était le marché aux puces le plus grand du monde en fait. La seule chose qui me dérange un peu, c'est le temps. Vraiment, il fait très moche, il pleut depuis quelques jours. Moi, j'ai jamais passé l'été à Paris. Je sais pas trop à quoi je dois m'attendre, mais c'est vrai qu'il fait très moche en ce moment. What can we do? Donc du coup, on va aller au marché avec ma coloc qui va partir en fait la semaine prochaine. Elle va rentrer en Hongrie. Ce sera, je pense, la dernière fois qu'on est capable de faire quelque chose ensemble. Donc après la semaine prochaine, je serai seule de nouveau à mon appart. Vivi, ça sera bizarre d'habiter seule de nouveau. Je me rappelle même plus. C'était comment d'habiter seule ici? To me, the joy, the noise, the gravitation is pulling me back to where you'll be. And it ain't hard to keep on living with your voice right next to mine. The color and shape of your creation, something beautiful as this is. One of a kind. But I know it's hard to find my way in over time, but it feels so right. Not a bird, not a plane, not even Superman can make me wanna change. I feel invincible in the morning, in the night. Know that I want you by my side. Is it too much to ask to love or let it go? Or we wait for tomorrow?
c'est au poulet. Non, mais attends, mais. Pas souche. On est dimanche, c'est le lendemain. Aujourd'hui, on était censé faire une pique-nique, mais vu qu'il pleut toujours, je pense que ce ne sera pas possible. On a un plan B. On a décidé plutôt de se voir dans l'appart de mon ami. En fait, je pense que c'est l'appartement du copain de mon ami. Donc du coup, j'y vais directement. Mais il fait vraiment moche. Je peux pas accepter ça. Et du coup, si on jette un coup d'œil à la météo de la semaine prochaine. Thanks, Paris. En tout cas, on y va parce que je suis déjà en retard, comme d'habitude. See you guys in a bit. T'as pas?
matin ou non. Et puis j'ai gagné. Je vais te montrer, mais. C'est moi. J'ai pas bleu. To be honest, I didn't say it. Bang. Bon, j'ai gagné, j'ai tout. Ah, time is it. That this is the end of this video. Thank you so much for watching again. Just again, please make sure to subscribe to this channel and like this video if you enjoyed watching it, and I will see you guys next week. Bye. I don't wanna have to tell you all the things I know.